La Normandie, c'est ma source d'inspiration. Venir chaque week-end en Normandie, c'est aussi prendre un grand bol d'air frais. Sentir la mer, sentir la terre, être au contact de ce territoire incroyable. On a la chance d'avoir la ferme à quelques kilomètres de la mer. Et ça me donne toute l'énergie créative lorsque je suis dans mon laboratoire en pâtisserie. Donc en fait, c'est une prairie, c'est ce qu'on appelle une prairie naturelle. On favorise la vie du sol, et du coup, le sol, il est nourricier, et c'est ça qui fait que la plante, elle peut pousser, que la vache, elle peut la manger, qu'elle va produire du lait avec. Le lait, il est exceptionnel. Oui. Quand tu goûtes dans nos desserts, en fait, t'as pas du tout d'acidité. Tu sens un côté fleuri, doux, légèrement sucré. Oui. On peut que se sentir bien. On est au milieu de la nature. On travaille des produits sains. Et ce qui est aussi fascinant et envoûtant quand tu es au sommet du moulin, c'est tout l'horlogerie, en fait. Ce que j'aime à dire, c'est l'horlogerie paysanne. Ce qui est génial, c'est que la ferme de ma grande sœur est à 20 km. On peut venir en vélo. On pourrait presque la voir. La Normandie, c'est une terre d'élevage. Ce qu'on voulait surtout mettre au centre, c'était vraiment le respect de l'animal, le respect des terres. On a une collection de poules qui font des œufs de couleur. Chaque œuf a vraiment sa spécificité. Et aujourd'hui, toute cette diversité, on l'amène aussi dans notre pâtisserie. La couleur intense du jaune est aussi due à leur alimentation. L'herbe qu'elles peuvent picorer, les petits insectes. Pour avoir les œufs de la ferme, le lait de Corinne et Christophe, la farine du moulin. Finalement, tout ça, ça donne un sens à la pâtisserie Louis Vuitton. L'association avec Louis Vuitton, elle est très naturelle. Parce que Louis Vuitton, pour moi, ça représente le savoir-faire. L'art de la main, de la matière première. Et aujourd'hui, c'est toute ma quête et tout ce que je veux retransmettre dans notre pâtisserie. Avec mon équipe, on s'amuse à associer toute la richesse du patrimoine gastronomique français avec l'histoire de Louis Vuitton.